Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie, au chapitre 23, versets 1 à 6. Quel malheur pour vous, pasteur! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis,
vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 13 à 18. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit,
accès auprès du Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors il partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leurs intentions. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh.
Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Credo, 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 credo. Le Seigneur est notre berger. Il prend soin des hommes et des femmes qu'il a créés dans son amour. En toute confiance, rappelons-lui nos sœurs et nos frères dispersés, apeurés, accablés. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Christ et Seigneur, vrai berger pour ceux qui croient en toi, guide ton Église, ses pasteurs, ses diacres, sur les chemins de la mission. Conduis-les vers tous ceux qui te cherchent, croyants ou non. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les peuples qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, que le Seigneur leur donne des bergers selon son cœur. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Christ, notre paix, vrai berger, révèle ta lumière aux malades, aux exclus, aux familles en difficulté. Donne-leur une espérance nouvelle. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Jésus-Christ, notre communion, vrai berger, loué sois-tu pour notre assemblée réunie en ce jour, qui célèbre ton œuvre de salut accomplie avec amour. Guide-la vers la vie en plénitude dans un seul esprit. Seigneur, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Mmh.
Uebo sangi, uebo sangi, alo balabamuti, uebo sangi. Uebo sangi, uebo sangi, alo balabamuti, uebo sangi. Uebo sangi, uebo sangi, alo balabamuti, uebo sangi. Nous
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des Oh,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh,